parler de la gestion du transfert négatif en psychanalyse réveillée. D'abord, en introduction, Freud parle à deux reprises dans son œuvre de trois métiers impossibles. Éduquer, gouverner, guérir. La première fois, il en parle sous une forme de boutade en 1925, et la deuxième fois en 1937 dans un article intitulé « Analyse avec fin, analyse sans fin », 1937, c'est-à-dire à la fin de sa vie. Il évoque alors, et on voit qu'il n'a jamais oublié ce thème, le fait que la psychanalyse est un de ces trois métiers impossibles. Dans lesquels, dit-il, on peut d'emblée être sûr d'un échec. Première traduction. Ou bien, deuxième traduction plus récente, être sûr d'un succès insuffisant. À quoi peut tenir ce pessimisme freudien quant à la psychanalyse ? Je vais ici vous en donner ma propre compréhension, basée sur le fait que la psychanalyse est confrontée à un dilemme extrêmement délicat à gérer. Le transfert positif est absolument nécessaire pour le maintien de la cure. Le transfert négatif est absolument nécessaire pour que la cure serve à quelque chose. Et ces deux sortes de transferts, négatif et positif, tous deux nécessaires, ne peuvent que très difficilement coexister. Ma thèse est la suivante. Là où la psychanalyse freudienne classique doit sans arrêt traiter ce dilemme, transfert négatif, transfert positif qui doivent coexister, avec énormément de doigté et beaucoup d'écueils, la psychanalyse rêve éveillée a mis au point une structure de la cure qui résout ce dilemme avec élégance, sous réserve de conditions très précises concernant son cadre et l'instauration ainsi que le maintien du cadre, de ce cadre. D'où le fait que cette psychanalyse réveillée est à la fois plus courte dans le temps et à la fois ne nécessite généralement qu'une seule séance par semaine, contrairement à la psychanalyse classique. Je vais donc aborder ici successivement premièrement, la question du transfert positif et de l'alliance thérapeutique. Deuxièmement, la question concernant l'indispensable place du transfert négatif. Troisièmement, la triangulation proposée par la psychanalyse rêve éveillée. Et quatrièmement, les conditions techniques nécessaires à cette triangulation. Pour simplifier la compréhension de ce que je veux dire, une précision sera utile. Lorsque je parle de psychanalyse, je veux dire psychanalyse freudienne classique, telle que par exemple la Société psychanalytique de Paris la pratique et la développe dans ses très nombreux écrits de grande qualité. Quand je voudrais indiquer la spécificité de notre propre pratique, je dirais psychanalyse rêve éveillé. Alors, alliance thérapeutique et transfert positif. Donc, en premier lieu, voyons cette question du transfert positif et de l'alliance thérapeutique. La première chose à en dire, c'est que cette alliance thérapeutique est absolument indispensable. Même si on différencie plus finement alliance avec l'analyste et alliance avec le travail analytique. Pourquoi est-ce que cette alliance thérapeutique est absolument indispensable et qui est-ce qui affirme ça? Eh bien, elle est indispensable, c'est une évidence, parce que sans elle, la cure s'arrête dès que le transfert négatif commence à émerger. Qui est-ce qui dit que c'est indispensable? Plusieurs personnes. Tout d'abord Freud, qui avec constance tout au long de sa vie a maintenu que ce qui rendait le travail analytique possible, c'était le transfert positif. Ensuite, ceci a été dégagé plus particulièrement par Grinson, le psychiatre psychanalyste malheureux de Marilyn Monroe, mais par ailleurs bon didacticien. Il a développé le concept d'alliance thérapeutique, reprenant d'ailleurs en cela d'autres auteurs tels que Fenichel. Donc Freud, Grinson, enfin on peut dire que depuis une trentaine d'années, les psys américains de toutes catégories ont effectué un travail scientifique, pragmatique,
appuyé sur des approches statistiques, toutes choses qui plaisent bien maintenant, pour dégager l'intérêt de l'alliance thérapeutique et son poids dans la variance des résultats d'une cure. Évidemment, nous nous trouvons là face à une démarche plus empirique observatrice que psychanalytique, mais les résultats méritent d'être pris en compte. Quels sont-ils les résultats de ces études sur l'alliance thérapeutique? Je vous les résume ici. Premièrement, l'alliance initiale, celle des premières séances, des tout premiers temps, liée au climat affectif de la relation, est le meilleur facteur prédictif des résultats du traitement. Donc les débuts du traitement ont une importance capitale. Ce qui est amusant, c'est que ces dizaines de travaux scientifiques viennent en écho parfait et en confirmation de ce que disait Freud en 1913 dans un texte intitulé « Le début du traitement ». Je cite « Le premier but de l'analyste est d'attacher l'analysé à son traitement et à la personne du praticien ». Fin de citation. Donc déjà en 1913, c'était très clair qu'il fallait absolument du transfert positif et un attachement dans la relation au départ. Nous verrons qu'en AIRE, notre école de psychanalyse réveillée, nous accordons une attention particulière aux séances du début. Donc, premièrement, l'alliance initiale est le meilleur facteur prédictif des résultats. Deuxièmement, l'alliance est un facteur dont la contribution à la variance des résultats est supérieure à celle des divers traitements, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, ceci recoupe d'autres études qui avaient montré que le type de rapport établi entre le praticien et le patient donne une meilleure prédiction quant au résultat que le type de technique utilisée par le praticien. Troisièmement, cette alliance initiale sera ensuite inévitablement soumise à des fluctuations et elle pourra être restaurée de deux façons, suivant les problématiques du patient et suivant le profil du praticien, soit par le côté empathique et de soutien, qui est plus psychothérapeutique, soit par le travail d'interprétation qui est plus psychanalytique. Nous reviendrons bien entendu sur le danger de vouloir à tout prix ne rester que dans l'alliance thérapeutique initiale positive, au risque de court-circuiter le point essentiel qu'est la place du transfert négatif et de son traitement. En effet, le but n'est pas de rester dans le transfert positif. Le but, c'est tout au contraire de permettre le traitement du négatif, le traitement du transfert négatif. Freud disait en 1937, donc là aussi à la fin de sa vie, la complétude de l'analyse, ce qui est vraiment la complétude de l'analyse, est relative à l'analyse du transfert négatif. Si on n'a pas pu traiter le négatif, c'est plus une psychanalyse, c'est même pas un traitement. Vouloir accentuer et soutenir uniquement un lien positif, comme on le voit quelquefois chez certaines psychothérapies, présente un double danger. Premièrement, favoriser une idéalisation de l'analyste, cette si bonne mère ou ce si bon père risque de conduire à l'élimination de l'agressivité, car celle-ci pourrait amener la perte de l'objet idéalisé. Si on a affaire à un tellement bon analyste, on ne veut pas l'agresser. Et deuxièmement, ça empêche l'expérience de la frustration. Et d'une certaine manière, le patient reste en attente idéale de recevoir ce qu'on appelle le phallus, le symbole de la puissance. Un jour, je l'aurai. Et en fait, il ne peut pas vivre les deuils structurants et nécessaires. Donc dans ces deux cas, c'est-à-dire soit l'idéalisation de l'analyste, soit essayer de ne pas avoir de pas donner de frustration au patient, on risque d'entrer dans une cure interminable qui a un aspect de soutien sympathique, mais qui en fait ne guérit rien, quoi. Alors donc, une fois qu'on a vu qu'il était nécessaire d'avoir une alliance positive et un transfert positif dès le début et qu'ils tiennent le coup, après, il est absolument nécessaire de donner la place au transfert négatif. Par conséquent, on va voir ensemble l'importance du transfert négatif, c'est-à-dire la haine, la douleur, la rage, la déception et tous les éléments très violents et douloureux qui sont amenés par le patient. Seul le dépôt du négatif dans le cadre de la cure, et quand je dis négatif, c'est les traumatismes, c'est les vécus mal terminés, unfinished business, c'est non réalisé, seul le dépôt du négatif à l'intérieur du cadre de la cure pourra amener le revécu,
l'actualisation de l'infantile blessé et la transformation de ses empreintes destructrices. Si ce n'est pas dans le cadre de la cure, ça ne pourra pas être traité. On ne peut pas le transformer une expérience sans la revivre et avoir alors une chance de la terminer autrement. Le psy peut être tenté de ne pas donner sa place au transfert négatif. Évidemment, c'est moins marrant, quoi, le transfert négatif, c'est plus violent. Il peut être tenté de ne pas donner la place au transfert négatif en freinant ce qui peut le susciter ou le faire apparaître. Rester en face à face, ne pas frustrer le patient, être complaisant vis-à-vis des entorses faites au cadre, que ce soit l'horaire, le temps, le rythme, le paiement, etc. Une tendance à instaurer des dialogues autour des thèmes du quotidien. Une non-mise à jour du négatif qui apparaît dans les rêves ou dans les actes manqués, etc. Il y a des tas de stratégies pour essayer d'éviter le négatif. Et si le thérapeute fait ça, il se condamne alors au risque suivant. J'en ai mis trois, qui sont de trois ordres. Premièrement, une cure interminable, puisque c'est gentiment positif, mais il n'y a pas de changement à part ceux qui sont liés au soutien. Donc du coup, il y a un risque de cure interminable, on est bien tous les deux, etc. Mais finalement, ça ne change rien. Ou bien, ce qui arrive aussi, c'est une rupture inattendue. C'est-à-dire, le négatif s'est accumulé et il claque, il fait claquer d'un seul coup la cure. Un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Donc ça, c'est par rapport à la cure. Ou bien alors, le négatif se cristallise ailleurs dans la vie du patient. C'est-à-dire... dans la cure, c'est tout bien, on est bien avec l'autre, l'un avec l'autre, on s'aime bien. Et puis dans la vie du patient, il arrive des accidents, des maladies, parfois des tentatives de suicide, un peu comme si le négatif se mettait ailleurs. Ou bien, ce qui se voit fréquemment, des liens idéalisés dans la cure, entre l'analyste et le patient, c'est merveilleux, etc. Et en contrepoint, des conflits intenses dans le couple, par exemple. Comme si ça se déplaçait sur une autre scène. Et là encore, le risque, c'est qu'il n'y a ni mise à jour, ni terminaison du trauma, ni terminaison des déficiences narcissiques, pulsionnelles, des mécanismes de défense, etc., puisque tout ça est évacué par quelque chose de très positif. Donc, pour en revenir à la clinique, nous avons constaté les risques d'arrêt brusque en début de cure qui sont toujours liés à la question du négatif. Il y a des moments, au début de la cure, où il y a des forts risques d'arrêt. Et ces risques d'arrêt sont toujours liés à une mauvaise gestion du négatif. Au tout début, dans les premières séances, il est particulièrement important de bien reformuler, mettre à jour, montrer, accompagner, accentuer, dire tous les vécus négatifs, c'est-à-dire les vécus affectifs difficiles, mais aussi les vécus résistentiels. Il y a des psychanalystes français qui s'appellent César et Sarah Botella qui écrivent « L'exhibition est l'antidote de la paranoïa ». C'est-à-dire la paranoïa, c'est « je suis menacé mais je ne le montre pas, j'interprète, etc. » Et si je dis en fait ce que je pense et ce que je crains et la rage et la douleur et la peur, à ce moment-là, la paranoïa, c'est le contraire, ça diminue, quoi. Autrement dit, lorsque la violence de la haine et des projections négatives est montrée, explicitée, reconnue, plutôt que secrètement cachée, le lien n'est plus miné et peut se retrouver alors suffisamment positif. Donc c'est particulièrement important dans les tout débuts, dès le début, là on retrouve un peu presque Mélanie Klein, le fait de tout de suite, dès le début, accompagner, reformuler, expliciter, laisser venir, tout ce qui est négatif, résistentiel, douloureux, violent, etc. Ceci doit être fait très tôt, dès que le moindre élément porteur de douleur et de défense commence à apparaître. Sinon, l'accumulation du négatif sort d'une manière explosive et peut conduire à la rupture au bout de quelques séances. Et la personne va dire « je l'ai vu 4-5 fois et puis finalement, finalement j'ai arrêté brusquement ». Et en fait, c'est que tout ce négatif n'avait pas pu être reconnu ni être accompagné. Ça, c'est au tout début. Mais ensuite, assez rapidement, plus on rentre dans le côté régressif, c'est-à-dire au moment du passage en divan, plus le transfert négatif risque de prendre sa place, puisque le patient ne voit plus l'analyste, qu'il est plus lié
ses fantasmes sur l'analyste, à tout ce qui remonte. Donc il est important, et nous c'est comme ça qu'on pratique, de proposer des rêves éveillés très rapidement. Si les rêves éveillés n'ont pas été placés à temps, eh bien, la plupart du temps, le négatif s'accumule, et pareil, ça va amener une rupture de la cure. Les rêves éveillés, les premiers rêves éveillés, sont souvent des rêves éveillés très violents, très intenses, très chargés, justement parce que c'est comme si on leur permettait, on permettait la dérivation d'une partie du transfert sur le rêve éveillé. Enfin, il arrive un moment vers la séance 16 où le patient perçoit, il commence à être bien enclenché dans la cure, que pour aller mieux, il va devoir aller moins bien. Ou plus exactement, pour aller mieux, il va devoir aller dans ce qui le fait souffrir, afin de le soigner. Là, il y a un moment assez fort, puisque le patient se rend compte que désormais, vers quoi il va vers sa douleur, et il doit avoir une alliance assez forte avec l'analyste, mais aussi avec le travail analytique. On pourrait dire qu'à ce moment-là, c'est presque le moment où se crée l'alliance avec le travail lui-même. Je viens là pour ça. Je viens là pour soigner ma douleur, et pas seulement pour faire plaisir ou parce que je suis bien avec cet analyste-là. Comme s'il y avait une sorte de deuxième phase du contrat, un contrat entre le patient et lui-même qui est « je me lance dans cette aventure ». On voit comment la tâche des psychanalystes classiques est délicate puisque le dilemme est suivant. Comment permettre l'installation du transfert négatif dans la cure, lorsqu'on ne dispose pas de la scène du rêve éveillé, sans mettre en danger la cure elle-même? Puisqu'il s'agit de laisser émerger le transfert négatif pour qu'on puisse le travailler, mais il va tout de suite changer les choses. Donc la réponse habituelle de la psychanalyse classique, c'est l'interprétation de ce transfert négatif afin de le désamorcer. Mais cette interprétation est extrêmement délicate, surtout en début de cure. En effet, comment faire pour que l'analyste objet du transfert ne soit pas confondu avec l'analyste interprète du transfert? Et comment sortir de la situation impossible dans laquelle l'analyste pris pour un autre avec qui il y a un vif contentieux soit perçu comme l'analyste qui parle avec une voix qui n'est pas celle de cet autre? Je cite, « Le transfert négatif est à la fois ce qui est atteint à interpréter, ce qui est à interpréter, et à la fois ce qui empêche l'interprétation », nous dit la psychanalyste Christine Bouchard. Pourtant, l'objectif est bien posé. Il est nécessaire de faire l'analyse du transfert négatif. En somme, si je veux faire mon travail de psychanalyste, je dois permettre au transfert négatif de s'installer solidement dans la cure, afin de pouvoir l'interpréter. Et lorsque celui-ci est installé solidement, il me condamne à ne pas pouvoir l'interpréter, car ma parole interprétative est alors prise pour celle d'un autre, plus particulièrement un autre mauvais. Je ne sais pas si vous voyez ce dilemme. Il faut que le transfert négatif soit là, c'est-à-dire que je sois porteur du mauvais objet, mais si je veux interpréter ce transfert négatif, étant donné que je suis porteur du mauvais objet, je vais être rejeté dans mon interprétation. Comment s'en sortent les psychanalystes? Par un double mouvement, la fréquence des séances, 3 séances par semaine, qui évite la trop grande prise des mécanismes de défense d'une séance à l'autre, et le délien, la perte du lien qui s'en suivrait, et l'approche très lente de l'interprétation, d'abord au plus près du moi, puis au plus proche des mécanismes de défense, puis petit à petit plus proche du noyau conflictuel, d'où une cure longue, comportant beaucoup de séances et une prudence extrême du psychanalyste qui marche en permanence sur une ligne de crête entre maintien du lien et interprétation qui risque d'être perçue comme une agression. Christine Bouchard, toujours dans son article « Peut-on interpréter le transfert négatif ?» écrit « L'étalement temporel de la cure devrait pouvoir permettre de faire reculer progressivement et toujours un peu plus le caractère sauvage et inadéquat de l'interprétation. » Fin de citation. On voit comment c'est difficile de s'en sortir. Alors évidemment, la solution serait dans une triangulation qui desserrerait le nœud gordien de ce dilemme. La parole de l'analyste qui interprète, le dilemme c'est celui-là, la parole de l'analyste qui interprète est mise au compte de la figure transférentielle dont il est recouvert.
il n'y a pas un espace suffisant entre sa fonction d'analyste et la projection dont il est l'objet. Donc on voit comment c'est difficile, comment c'est délicat d'utiliser l'interprétation, alors que c'est l'outil principal en psychanalyse classique. Et pourquoi c'est difficile ? Ben, il y a plusieurs points cruciaux. Accepter une interprétation exige pour le patient l'inhibition momentanée de son propre point de vue, puisque c'est un point de vue différent, donc c'est un danger identitaire. Et face à ce danger identitaire, les deux alternatives sont toxiques, soit se soumettre, soit se démettre, soit gommer l'interprétation, soit s'en couper fortement. Se soumettre, et à ce moment-là perdre le contact avec son propre self, puisqu'on se soumet à l'interprétation de l'autre, et une possibilité d'aliénation, ou se démettre, c'est-à-dire rompre le contrat analytique secrètement ou de manière ouverte. Donc, vous voyez, accepter une interprétation dans la psychanalyse classique, c'est très délicat. S'approprier l'interprétation suppose que celle-ci a été trouvée par le patient lui-même, ou du moins qu'il la fasse suffisamment sienne, qu'il ait le sentiment de retrouver quelque chose qu'il connaissait sans vraiment le savoir. Or, par définition, il n'apercevra pas un autre point de vue que le sien, un point de vue qui serait égo-dystonique avec ses mécanismes de défense, sauf à se référer à un support externe. Donc vous voyez la difficulté de l'interprétation. Encore une autre difficulté, c'est que le moment interprétatif convoque le stade du miroir. Vous connaissez sans doute. Avec son paradoxe fondamental. Je suis je ici dans ma perception syncrétique et je suis moi là-bas dans cette image, dans le miroir, dont on me dit que c'est moi. Je suis là et je suis là-bas. L'interprétation, comme le stade du miroir, puisque l'interprétation c'est la parole de l'autre qui me dit où je suis, alors que c'est pas là que je me sens être. L'interprétation, comme le stade du miroir, amène une phase de déstabilisation. Je suis moi ici sur le divan avec mon point de vue, mais je suis aussi moi là-bas dans la parole de l'analyste. Une des sorties possibles passe par l'empathie du patient envers son analyste et par l'identification à son mode de pensée et de fonctionnement. Le point de vue de l'autre est en fait mon propre point de vue, mais là encore, on frôle le risque du leurre. Alors que le rêve éveillé a énormément d'avantages par rapport à tout ça, justement, que c'est une solution. D'abord, il a la propriété d'être vécu par le patient comme étant sa propre production. C'est pas l'analyste qui lui dit « voilà ce qu'il faut voir », c'est lui qui voit quelque chose qui est sa propre production. Du moins, c'est pas complètement vrai, mais c'est quand même sa propre production. Surtout si le rêve éveillé a été vécu en position associée, c'est-à-dire qu'il est dedans, avec l'affect, avec le corps, avec le sentiment de vivre le rêve éveillé, ce qui est pas tout à fait pareil que de le voir se dérouler, hein, qui est une façon de dissocier. Si on est associé pendant le temps du rêve éveillé, on a véritablement le sentiment d'une expérience. Et à ce moment-là, le patient peut dire « ça, c'est mon expérience ». Et qu'est-ce qu'elle me raconte, cette expérience, plutôt que de dire « ça, c'est l'interprétation de mon analyste ». Ainsi, ce miroir rêve éveillé dans lequel je vois cet autre peut permettre de se reconnaître comme étant moi, sous réserve d'un travail métaphorique qui évitera la décentration au profit d'un analyste supposé sachant. Donc, d'où le fait qu'en psychanalyse rêve éveillé, on fait très très peu d'interprétations directes. On passe beaucoup par un travail métaphorique qui va permettre au patient de s'approprier ce qui est en train de se dire de lui à travers le rêve éveillé. La triangulation en psychanalyse rêve éveillé, donc voilà la spécificité de la cure AIRE, de la psychanalyse rêve éveillé, et la façon dont sont traitées toutes ces questions. Ça change tout, quoi, d'avoir trois pôles au lieu de deux. Alliance, transfert négatif, triangulation et interprétation, on va voir comment ça se joue. Sous la condition impérative que le cadre spécifique d'une psychanalyse rêve éveillé soit bien mis en place, et ça, bon, on verra après quels sont les éléments indispensables au cadre. Il se passe ceci. Premièrement, le transfert du patient se dépose en deux lieux différents. Au cours même de la même séance, au cours de la séance.
Et ceci se voit par deux temps différenciés, le temps du rêve éveillé et le temps de la relation analytique hors rêve éveillé. Lorsque le patient entre dans son rêve éveillé, il est désormais beaucoup plus en contact et en relation avec ses propres figurations symboliques et beaucoup moins avec l'analyste. Dès lors, une partie du transfert est attirée sur les figurations symboliques qui sont vues et vécues dans le rêve éveillé lui-même, et une autre partie du transfert concerne l'analyste. Le transfert se dépose sur deux lieux différents. Généralement, la configuration habituelle dans les débuts de cure est celle-ci: transfert positif sur l'analyste, transfert négatif exprimé dans le rêve éveillé. En effet, les premières séances ont plutôt favorisé l'alliance positive avec l'analyste, et pour peu que l'expérience rêve éveillé soit proposée rapidement, l'émergence du transfert négatif qui est en train d'émerger et qui est à la fois favorisé et contenu va aller se déposer sur les figurations symboliques du rêve éveillé. Ceux parmi vous qui sont férus d'informatique penseront au disque virtuel, un espace particulier créé sur le disque dur dans lequel on peut tester un autre système d'exploitation, voir ce qu'il donne en toute sécurité. Ben là, c'est un peu la même chose. Exemple plus psychanalytique. Cette patiente qui souffrait de boulimie et d'un grand sentiment de vide identitaire tout en rapportant une enfance idyllique. Le rêve éveillé numéro 3, donc assez rapidement, lui fait vivre la chose suivante. Elle se fait dévorer d'un côté par une énorme araignée et d'un autre côté par un énorme rat. Elle ne sait pas, c'est suffisamment masqué, hein, comme Christina le disait tout à l'heure, elle ne sait pas qu'il s'agit là d'une représentation centrale du traumatisme de son enfance, son père et sa mère, qu'il utilisait comme auxiliaire pour s'occuper de la nombreuse fratrie qui la suivait, et elle-même qui avait le sentiment d'être dévorée et non reconnue pour elle-même. Elle est en train de représenter ça sans savoir qu'elle est en train de le représenter. Elle représente qu'elle est dévorée, non reconnue, n'ayant pas d'espace pour elle-même. On notera que l'affect négatif violent, c'est-à-dire le sentiment d'être dévoré, la terreur, l'impuissance, etc., qui se sont vécues dans le rêve éveillé et qui en fait sont similaires à ce qui a pu se vivre au niveau de l'enfant, de l'infantile, on notera que l'affect négatif violent qui au départ a suscité les mécanismes de défense dans la structuration psychique, hein, quand l'enfant vit des choses très violentes, et il n'a qu'un seul moyen pour s'en sortir, c'est de mettre en place des mécanismes de défense. Par exemple, le refoulement. Le refoulement de la représentation de ce qu'on est en train de se voir, de se dire, a pour objet de faire disparaître l'affect négatif insupportable. Sinon, j'éclate. Donc le refoulement qui oublie ce qui a pu se vivre à ce moment, etc., et qui le remplace, dans le cas de ma patiente, par une histoire dans laquelle elle avait une enfance idyllique, eh bien, le refoulement là, il a moins de raison d'être puisque l'affect négatif a pu se retrouver, s'exprimer, se ressentir, trouver une figuration grâce au réveillé. On pourrait dire que l'affect négatif qui a suscité le refoulement initial s'engouffre dans le rêve éveillé proposé. L'araignée et le rat la dévorent, elle est perdue, elle est terrorisée, elle n'a plus d'espace, et ces affects-là, très violents, sont déposés là. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, mais elle le vit fortement. Or, si l'affect négatif... Dès lors que la violence de l'affect, la peur, la terreur, le désespoir, l'impuissance a pu être retrouvée grâce à une figuration symbolique située à bonne distance du conscient, à ce moment-là, la représentation initiale, donc le souvenir, la représentation initiale interdite devient progressivement plus accessible, hein, puisque j'ai moins peur de la retrouver. Et d'ailleurs, signe de la diminution du refoulement qui a suivi ce rêve éveillé, dans la semaine après la séance, un souvenir auparavant oublié lui est revenu. Et ce souvenir a commencé à battre en brèche l'histoire idyllique de son enfance. Hein, souvenir d'une période d'enfance où elle criait et pleurait toute la journée, jusqu'à ce qu'elle soit durement sanctionnée par les parents pour cette attitude qui lui faisait perdre sa fonction de bonne au service de la famille, plus particulièrement de la fratrie. Donc, elle peut s'autoriser à retrouver ça
Parce que toute une partie de l'affect a été déposée ailleurs. Donc il y a moins besoin des mécanismes de défense qui se sont structurés initialement. Sans cette figuration par le rêve éveillé, et sans l'expérience affective forte qu'elle permettait, alors le transfert négatif aurait progressivement pris sa place dans la relation entre l'analyste et le patient, si on n'avait pas eu le rêve éveillé. Et le psychanalyste, désormais en passe d'être dangereusement pris pour une araignée ou pour un rat dévorant, aurait été contraint de faire extrêmement attention à ses moindres interventions. Si quand je parle, ça peut être décodé comme une araignée qui dévore ou un rat qui dévore, évidemment, je fais attention à ce que je dis. Tandis qu'à partir du moment où c'est déposé ailleurs, eh bien, il y a quelque chose de bien plus léger et en alliance qui peut se créer. Donc, le rêve éveillé vécu par la patiente comme sa propre production, c'est pas moi qui lui dis votre père et votre mère, vous n'avez pas laissé d'espace et vous l'avez vécu comme si vous étiez totalement nié. Le rêve éveillé vécu par la patiente comme sa propre production, étrange à ses yeux, pourquoi est-ce que je fais ce rêve éveillé, introduit une triangulation. Du fait des trois pôles, analyste, patient et rêve éveillé, alors l'analyste et le patient peuvent être en alliance ensemble face au troisième pôle et à son énigmatique message. On va se poser des questions ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, cette araignée et ce rat ? Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger au point de vue alliance, puisque je ne suis plus l'araignée ou le rat, je suis l'analyste en alliance qui s'interroge sur ce rêve éveillé terrifiant. Et quatrièmement, du coup, le travail d'interprétation va ressembler à ce qui se passe dans les thérapies d'enfants. Beaucoup de choses ont des liens intéressants entre la psychanalyse rêve éveillé d'adulte et la psychanalyse d'enfant, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Nicole Fabre a été très longtemps thérapeute d'enfant. Moi-même, j'ai travaillé avec des enfants pendant une dizaine d'années, etc. Didier Houzel, qui est un spécialiste de la psychanalyse d'enfant, a appelé ça l'interprétation métaphorique, c'est-à-dire qu'en réalité, le patient et l'analyste jouent, comme dirait Winnicott, comme on fait avec un enfant. On joue avec la pâte à modeler, on joue avec le squiggle, etc. Ils jouent avec les éléments de la scène. Alors, on se pose les questions ensemble. Qu'est-ce que ressent l'araignée ? Pourquoi elle fait ça ? Qu'est-ce qui ressent le rat ? Comment est-ce que tout ceci est vécu par l'héroïne qui est en train de se faire dévorer, etc., etc. C'est-à-dire, on tourne autour du sens à travers un jeu métaphorique. C'est ce que nous appelons consteller le préconscient. C'est-à-dire qu'en parlant ainsi à mots couverts, ce que vit l'araignée, ce que vit le rat, ce que vit l'héroïne, etc., en jouant avec les symboles, on permet que le sens se prépare intérieurement pour le patient et finisse un jour par lui apparaître. On évite donc toute interprétation sauvage qui irait directement du conscient à l'inconscient sans passer par cette étape du préconscient durant laquelle tout un tas d'aspects commencent à être aperçu, ce qui va peut-être rejoindre l'exposé suivant. Donc là, c'est ce que j'appelle le jeu métaphorique, qui n'est pas vraiment une interprétation, qui est une préparation, qui est une constellation du préconscient. Une interprétation métaphorique devient possible en temps utile lorsqu'elle a suffisamment été précédée par un jeu métaphorique. On dirait par exemple, mais certainement pas tout de suite parce que bien entendu ça ne serait pas présent, cette héroïne a le sentiment de n'être rien du tout, de n'être qu'un objet ou un bout de viande pour satisfaire ce rat et cette araignée. Même là, vous voyez que c'est une interprétation métaphorique. On ne dit pas « c'est papa, maman », etc. Mais quand même, on s'approche à rebord du sens, quoi. Et cette façon de faire permet au patient de déboucher, au moment où son chemin intérieur le permet, déboucher sur une interprétation claire que souvent il se fait lui-même. Il n'est pas rare que le patient confie alors sa découverte à son analyste en lui demandant si cette interprétation, parfois bien bousculante, peut être valable et peut éclairer son histoire. Donc le patient va dire, ou la patiente va dire, j'ai pensé à quelque chose qui me surprend, qui me choque, mais peut-être ça a du sens. Est-ce que cette scène pourrait représenter ce qui s'est passé pour moi dans mon enfance ? Etc. Et à ce moment-là, l'analyste n'a plus alors qu'à accompagner le patient vers l'appropriation de ses découvertes,
Et ce travail donnera encore plus d'intérêt au rêve éveillé pour le patient, puisqu'il découvre qu'une vérité profonde de lui-même se dit, là, sous une forme masquée, mais aussi marquée du sceau de la vérité expérientielle. Hein, c'est quand c'est fortement affectivé, il y a quelque chose là qui me dit, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé pour moi. En résumé, la triangulation instaurée par l'expérience du rêve éveillé en séance permet qu'une partie du transfert soit diffractée. Comme le dirait Valérie Larose, une de nos formatrices qui est ici, lorsqu'un rayon de lumière pénètre dans l'eau, il est dévié, diffracté. C'est la même lumière, mais elle prend un autre aspect. Il y a le rayon de lumière dans l'air et le rayon de lumière dans l'eau. Ce dernier semble différent, car dans cet autre milieu, il prend une autre forme. Donc la triangulation permet qu'une partie du transfert soit diffractée. Face à ce pôle tiers, l'analyste et le patient pourront beaucoup plus aisément garder une alliance, plus spécialement une alliance de travail, pas forcément une alliance avec moi, mais ensemble, on cherche, et ils regardent ensemble ce rêve éveillé. Comme avec un enfant, on regarde ensemble la production en pâte à modeler ou le dessin qu'il a fait, etc. Et l'interprétation, donc triangulation, alliance de travail, l'interprétation elle-même pourra prendre une autre forme grâce au jeu métaphorique. Jeu métaphorique qui favorise le fait que le patient s'approprie la démarche analytique, permettant ainsi les découvertes nécessaires sans se soumettre ni se démettre. Le passage par le discours métaphorique lui permet de se sentir libre et de découvrir à son rythme ce que sa production rêve éveillé lui a fait apercevoir. Peut-être qu'il va falloir longtemps avant que ce rêve éveillé de l'araignée et du rat dévorant prennent sens, et qu'il va falloir faire plusieurs autres types de réveillés dans lesquels il y aura la terreur, l'impuissance, être livré à des puissances auxquelles on peut, face auxquelles on ne peut rien, mais à un moment donné, ça deviendra de plus en plus clair, à force justement. Enfin, ajoutons un volet supplémentaire, au cours du rêve éveillé, le patient revit des épisodes traumatiques, je suis écartelé, dévoré, sans reconnaissance pour moi-même, et en les revivant en rêve éveillé, puisque c'est sur un mode symbolique et masqué, il dispose de la possibilité de terminer ceci autrement. En particulier par l'appui silencieux sur le transfert positif envers l'analyste. Autrement dit, ça c'est un des atouts extraordinaires du rêve éveillé. Dès le début, dans le livre Le rêve éveillé dirigé et l'interprétation, ou je crois quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, où il y a Levin qui parle du fait que la possibilité de revivre le trauma sur un mode symbolique et de le terminer autrement, c'est un atout extraordinaire, quoi. Là, il ne faut pas ignorer le fait que quand ça se passe avec l'analyste et en alliance, l'analyste, il est quand même présent comme un support indispensable à l'arrière-plan, quoi. Par exemple, cette patiente, enfant unique, ravagée par un destin lié à une mère psychiatrique, eh bien, elle trouve parfois dans ses rêves éveillés une sorte d'aigle protecteur. Alors, bien sûr, on peut en avoir une lecture jungienne, mais moi, j'en ai une lecture simplement transférentielle freudienne. Elle trouve une sorte d'aigle protecteur qui l'aide, par sa simple présence, il ne fait rien d'autre que d'être là, à traverser des champs de morceaux de chair, de cadavres, de lieux dévastés, qui représentent le psychisme morcelé de l'époque infantile, et prendre son courage à deux mains pour oser faire ce qu'elle doit faire face à tout cela, réunir les morceaux, les mettre dans une poubelle, etc. Et dans ce travail-là, elle est soutenue par la présence silencieuse de ce grand aigle. Et ce grand aigle, bien sûr, on peut en avoir plusieurs lectures. Dans une psychanalyse freudienne ou dans une compréhension freudienne métapsychologique comme c'est la nôtre, la lecture est la suivante. Une partie du transfert positif est aussi dans le rêve éveillé. Et du coup, il y a une possibilité de restauration et de transformation des imagos de base par le fait que la relation avec l'analyste s'introduit dans le rêve éveillé comme un support restaurateur. Donc on voit que le transfert positif peut aussi trouver sa place restauratrice et soutenante à l'intérieur même du rêve éveillé. Alors,
point concret, puisque je vous ai dit que tout ça, ça dépendait d'une mise en place précise. Pour terminer, je dirais que quelques mots sur les éléments concrets de cette mise en place. En AIRE, on a un manuel de référence qui fait 600 pages, donc je ne vais pas vous les dire toutes ici. Mais certains aspects caractéristiques. Premièrement, les premières séances sont marquées par une centration sur les capacités et les compétences du patient, l'aidant à retrouver espoir et confiance. Deuxièmement, un contrat sur les divers points qui vont permettre le jeu analytique. Troisièmement, l'attention importante durant le début du traitement à rendre visible par la reformulation tous les éléments de transfert négatif et à permettre l'expression et le vécu de ce transfert négatif le plus vite possible dans le rêve éveillé lui-même, en proposant celui-ci très vite. Très vite, ça veut dire à la séance 5 ou 6, et en lui donnant une place à part. C'est un temps pour le rêve éveillé, clairement délimité à l'intérieur de la séance, un peu comme Passerini le disait. Là, on lui donne une place à part. Il y a un moment pour le rêve éveillé. On commence à rêver, on finit à rêver. C'est pas, on mélange pas tout. Cette place à part se verra par la régularité des rêves éveillés, en moyenne une séance sur 3 ou 4 par exemple, et par la différenciation clairement établie par l'analyste en cours de séance entre rêve éveillé et non rêve éveillé. En ce qui nous concerne, on fait clairement la différence. C'est comme si on instaurait une sorte de frontière autour du rêve éveillé qui elle-même est installée à l'intérieur d'une frontière plus large qui est la frontière de la séance, qui elle-même est installée dans une frontière encore plus large qui est la frontière de la cure. Donc on met une frontière et pour nous, on ne mélange pas. C'est où on est dans l'expérience rêve éveillé, où on ne l'est pas. En ce qui nous concerne, nous ne considérons pas qu'un simple travail métaphorique sur des images amenées par le patient, en dehors de l'expérience spécifique du rêve éveillé, soit à considérer et à traiter comme du rêve éveillé. C'est deux choses différentes. C'est intéressant aussi, mais ce n'est pas cette expérience fabuleuse qu'est le rêve éveillé. S'il amène des images, bon, c'est très bien, on peut travailler dessus, mais ce n'est pas du rêve éveillé. Cinquièmement, le travail d'interprétation en cure AIRE se base sur un jeu métaphorique autour des rêves éveillés en priorité. Le rêve éveillé, c'est le pivot de la cure, même si nous tenons compte d'autres éléments. Par exemple, on ne va pas passer 8 à 10 séances sans rêve éveillé, sous prétexte que le patient amène d'intéressants rêves nocturnes. Parce que s'il sent la possibilité de ça, il va vous amener des rêves nocturnes extraordinairement intéressants, qui est une façon d'éviter l'expérience du rêve éveillé. Donc nous, on refuse ça. On va reproposer le rêve éveillé. En ce qui nous concerne, nous considérons que le rêve de sommeil n'est pas exactement similaire au rêve éveillé. Le rêve nocturne, c'est une expérience vécue seule, dont le récit ultérieur... En fait, vous n'avez jamais affaire au rêve nocturne de la personne. Vous avez affaire au récit de rêve rapporté, transformé par les censures, etc. Et c'est pas pareil que le rêve éveillé, qui est une expérience vécue en présence d'eux. Et dans l'instant même de son émergence, dans l'instant même de son vécu. Ça peut pas être je vous rapporte ce rêve de cette nuit, etc. Non, c'est tout de suite, on le vit tout de suite. Ça change la donne, quoi. Et en fait, ça rejoint un des paradoxes de Winnicott. Winnicott est une de nos références favorites. Ça rejoint un des paradoxes de Winnicott que vous connaissez certainement. C'est l'expérience pour l'enfant d'être seul en présence d'eux. C'est parce qu'il est en présence d'eux qu'il peut se permettre d'être seul. Sa mère, par exemple, il peut jouer seul. Il est dans son coin. Il joue. Il expérimente sa solitude. Il fait ses petits trafics avec ses voitures, etc. Pendant que la mère est en train de... dans la même pièce, de faire du repassage ou je ne sais quoi. Et en fait, il peut jouer parce qu'il est seul, il peut jouer seul parce qu'il est en présence de la mère. Si la mère s'absente, l'enfant s'arrête de jouer. Eh bien, le rêve éveillé, c'est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est seul, c'est son rêve éveillé, c'est lui tout seul, et pourtant c'est parce qu'il est en présence d'eux. Il y a un paradoxe, quoi. Enfin, et pour terminer... Ce travail d'interprétation métaphorique permet une appropriation de sa cure par le patient, et ça nous paraît un point très important. À aucun moment, enfin, on pourrait dire que grâce à ça, il n'est pas soumis au discours de l'autre.
Il est en train de faire son travail. Il est en alliance pour chercher le sens de ce qui émerge, pour accepter de laisser émerger ce qui a besoin de se dire. Et donc on est très très en retrait, surtout pas supposé sachant, surtout pas transmettant une brillante interprétation du haut de nos connaissances. En conclusion, évidemment, c'est une toute petite chose dont je vous parle ici, le traitement du dilemme du transfert négatif, comment jouer sur ces deux registres, transfert négatif et transfert positif, mais il y aurait tellement d'autres aspects passionnants de la psychanalyse réveillée qui pourraient être développés. Je pense à la régression que le réveillé permet, à la restauration d'un préconscient opérationnel qu'il instaure. Le fait de faire du réveillé, d'une certaine manière, ça restaure le préconscient, etc. Je me suis contenté aujourd'hui d'aborder la question du transfert négatif, et j'espère vous avoir permis de sentir combien la triangulation instaurée en psychanalyse réveillée change la donne et résout le dilemme de la psychanalyse classique à ce propos, dilemme que je viens d'exposer. Oserais-je dire, horreur, que la psychanalyse réveillée, plus courte dans le temps, plus accessible, avec une seule séance par semaine, correspond à une évolution de la structure du cadre psychanalytique qui pourrait sauver la psychanalyse elle-même ?